En fait, le problème, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir eu envie de faire de la télé. Je suis très honnête. Mais il y a des personnages de la télévision qui m'ont marqué, ça c'est évident. Et entre autres, ça va me revenir. Si j'étais quelqu'un d'autre, je serais moi en mieux. Mon petit grain de folie, c'est qu'il n'est pas petit d'abord, c'est qu'en fait il est très gros. C'est même plus un grain, c'est même pas un pépin, c'est une noix de cajou. Maintenant, de la définir. Mon pire souvenir de sport à l'école, certainement à la montée à la corde, là, oui, c'était épouvantable. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai quitté Bruxelles et où ma sœur, avant que je ne prenne le train, m'a remis toutes ses économies, quelques francs belges, pour m'aider à survivre dans la capitale française. La personne que je rêve de recevoir à Fort Boyard, c'est Catherine Deneuve. J'aurais aimé être champion de natation, comme mon grand-père. Une chanson d'un artiste que je produis cette année, qui s'appelle Jean-François Varlet, et qui sort un album qui s'appelle Peintures à l'eau. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Ce qui me rend le plus heureux, c'est d'être entouré de gens heureux.